Et salut les amis, c'est Farming Surveyor, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Spin Tier. On va tout simplement rouler en 4x4, on est au volant d'un Hummer H3, la map Level Blackwater Canyon. Et bah écoutez, sans plus attendre, on y va, on va pas perdre de temps particulièrement, on va simplement enlever tout ça, on va mettre la caméra comme il faut. Et on va prendre ce petit chemin là le long du canyon, Blackwater tout simplement, hein, les eaux noires. Parce que franchement, il y a de quoi faire dans tout terrain là, il y a des gros trous. On va voir si le Hummer H3 qui est quand même réputé, alors je parle surtout du 1, qui était réputé très très efficace en franchissement. Ben, on va voir tout de suite si c'est le cas. Hop là, voilà, regardez. C'est déjà pas possible, on a l'air d'être déjà coincé dès le premier trou, alors on va essayer de se faire ça dans le travers. Ça passe même pas dans le travers. Oula. Allez, lève le nez, attention, regardez ça, regardez la position du 4x4. Franchement, ça le fait, on va faire comme ça, regardez ça, on va faire comme ça. Et on va même se prendre une petite pix. Par contre, on va juste régler un petit problème dans les paramètres. Voilà, on va appliquer et on va reprendre. Je suis désolé si on veut faire la petite pix et que ça soit joli. Voilà, c'est comme ça, allez, on y va. En tout cas, on va essayer d'y aller. Allez mon gros, c'est parti, on est parti, on va peut-être y arriver. Il y en a plein de petits trous comme ça, un petit trou hein, en même temps, le 4x4 est même pas capable de les passer. Mais en tout cas, on va tâcher de franchir ce chemin de traverse. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, toujours sur le nouveau PC, c'est la deuxième vidéo que je tourne. On est toujours en 60 fps et là c'est pareil, c'est 60 fps constant, donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous puisque j'ai tourné et la vidéo ETS2 que vous avez vu ou pas vu d'ailleurs, parce que je voulais voir faire un test, donc vous l'aurez peut-être pas vu, on verra bien. Tourne. Oulalalalala, attention, faut quand même faire gaffe. Ah, décidément, avec le blocage de différentiel, puisque le blocage de différentiel, qu'est-ce que c'est, un petit rappel, c'est que toutes les roues tournent de la même manière. Donc oh là là, les trous qu'il y a là, c'est réputé pour être des 4x4 de fou pour franchir. Je me suis coincé dans quoi? Oh là, regardez les trous là. Il va falloir venir avec peut-être d'autres 4x4 hein, j'en ai pris d'autres. Allez mon gros, voilà, il y a des trous. Eh ben, la réputation de Hummer est en train de s'effondrer. Eh mais on est coincé hein, un truc de fou hein. Et dans un trou là, ça vaut rien du tout ce Hummer, ça vaut rien du tout. 4x4 américain, vaut mieux un bon vieux Land Rover. Allez, on va essayer de passer, mais on peut passer plus sur le côté là. En tout cas, on va essayer. Oh oh. Alors comment on fait? Est-ce qu'il y a un bout d'arbre pour tenter de se troyer quelque part? Je sais pas si c'est un arbre ça, enfin on va voir tout de suite, on va être fixé si c'est pas une petite caillasse. Non, on a l'air d'être bon là. On va tenter d'y retourner, ça pourrait être bien. Allez, hop, on va placer la caméra parce que je voudrais pas me mettre dans le décor. Je me suis mis dans le décor, bah ben là vous descendez droit en bas. C'est absolument pas possible de remonter une fois que vous êtes parti dans la descente, et on va tâcher d'aller le plus loin possible. Donc on a les petits ponts. Ah, forcément j'ai mis la roue dans le trou. Oh, oh, oh. Attention hein. Attention, essayez de se caler comme il faut. Il a tendance à pas mal avancer tout seul celui-là là. Un petit peu compliqué à gérer quand on veut l'arrêter ou pas. Il plante. Oulala, il plante le nez dans tout ce qui traîne là, les cailloux, etc. Putain, il est vraiment pas fait pour le tout terrain. Hein. On a vraiment pas pris le 4x4 le mieux pour s'amuser. Enfin, en tout cas si ça peut faire marrer. Mais je sais pas, il a un long nez ou dès qu'il y a un truc devant, il se plante. Il se plante. Voilà. Bon, on a l'air d'être mieux là. J'espère également qu'au niveau son vous m'entendrez bien, parce que dans le casque il fait un bruit pas possible. Allez là c'est bon, ça continue. Petite virée
avec le H3. Putain. Ah, des trous un peu partout. Mais ça a l'air de le faire pour l'instant. On est encore en vie. Pour combien de temps, je ne sais pas. Un espèce de marécage avec de vieilles masures, de vieilles bicoques. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à jouer à Spintyr. Et a priori, vous prenez beaucoup de plaisir à regarder les vidéos que je fais au vu du week-end Spintyr de la dernière fois où il y en avait deux. Ça a été plus que bien regardé. Et je vous en remercie, bien évidemment. Et ça encourage, bien évidemment, à continuer. C'est ça le principe aussi. Alors, est-ce qu'il y a une vue voilà, il fait encore plus de bruit à l'intérieur. C'est horrible, il casse les oreilles. Allez, on est pas mal. Attention à ne pas se mettre dans le décor. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors, j'ai pas du tout essayé la map avant. On la découvre ensemble. Bon, là, ça se passe plutôt bien. C'est un peu moins compliqué que tout à l'heure. Le départ a été un peu chaotique. Il a déjà fallu sortir une fois le treuil, mais là... ça se passe un peu mieux. Dans les virages, c'est un peu compliqué avec le différentiel. Il faudrait presque l'enlever. Et vu que ça monte, je préfère le laisser. Alors, on va tester ses capacités de franchissement dans l'eau. Je crains le pire, pour tout vous dire. Ça a l'air d'aller. Jusqu'ici, tout va bien, encore une fois. Ah, bah, ça passe. On est sorti du bourbier. On rattaque. Et pourquoi pas essayer ça avec un camion également, ça pourrait être vraiment drôle. Encore faut-il un camion pas trop gros. Une imoc, putain alors là. Mais dès qu'il y a un truc devant là, il a un long nez, il a pas de hauteur devant là. Ah, vas-y, passe là. C'était la marche arrière que je voulais, alors essayons. De mettre de l'adhérence sur la roue à l'avant là-bas, c'est pas évident. Putain, il est en train de partir du cul là. Et puis y a rien à faire, hein. Il a rien à faire, il veut rien savoir. Bon, et bah écoutez, on va être obligé de jouer un coup du treuil. Putain, la caméra qui tournait déjà vite avant, alors sur PC là, elle tourne encore plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a ouais, est-ce qu'on a juste un point d'attache là, histoire de se décoincer le nez. Allez, soulève-lui le nez. Voilà, c'est bon. On n'en veut pas plus. Je sais pas ce que ça va donner ensuite, mais bon. On va être vite fixé. Alors, surtout pas une caméra vue de derrière, parce que je sais pas... Oula, où on est? Où est-ce que je suis? Oh là là, le 4x4 de merde, franchement. Je suis halluciné. Je l'ai en H1, je crois aussi. Faudrait qu'on fasse le test, voir avec le H1, parce que le H3, c'est quand même pas le top du top. Question franchissement. Voilà, on va bien rester planté comme des cons. Ah, ça est quand même sorti. Jusqu'ici, ça va. Là, on est plutôt pas mal, ça continue. Là, c'est pareil, je crains le pire. Non, c'est bon. On peut continuer à circuler. Allez, vraiment, chemin 4-4-4-4. Hein. Ça rigole pas. Mais ouais, avec un camion, un petit camion, là. Un essieu à l'arrière. Ouais, ça pourrait être drôle avec un chargement ou une remorque, quelque chose. Voilà. Parce qu'il y a quand même de quoi se troyer sur les côtés. Donc on pourrait... pourrait ne pas rester coincé parce que c'est rien de... En fait il avance tout seul, il n'y a même pas besoin d'accélérer. Je dirais quand une voiture également a dévoyé. Allez, ça avance également tout seul jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au moment où ça cale. Allez, c'est parti. Allez, dans la descente, reste là. C'est vrai que j'ai pris une ornière là. Ah, je joue avec le feu là, je peux pas rester du côté du talus et pas des ravins, c'est quand même plus facile et c'est moins chaud. Voilà, encore une fois. Ah, putain, on va rester coincé avec le caillou sous les cieux là. Non, ça va. Ah, mais les cailloux se cassent et tout. Alors, franchement, il est bien fait ce jeu. Et là,
Là, j'apprécie encore plus puisque je tournais pas à 60 fps avec l'autre. Et encore une fois, là, c'est en ultra, tout à fond, tout à droite. Allez, mon gros, ça va le faire. Voilà, on est bien. Après, on va jeter un œil sur la carte pour voir si on a avancé ou pas. Je vous montrerai quand même la piste qu'on est en train de suivre. Donc, on a toujours normalement notre canyon en bas à droite. Hein. Bon, là, c'est un peu moins visible sur le coup. On rentre un peu à l'intérieur. Un peu de boue pour se faire plaisir. La boue, ça lui fait pas peur. C'est les trous qui lui font peur. La flotte, sur le principe, ça lui fait pas peur non plus. Ça va, ça roule. Alors, on va peut-être pas trop s'avancer. Oula. Oula là. On a l'air d'avancer encore un peu. J'aurais dû rester sur l'extérieur, là. Bon, bah, je crois qu'on va se mettre un petit coup de treuil pour se décoincer. Il y en a un pas loin, ça tombe plutôt bien. Voilà, quand ça merde, un petit coup de treuil, ça fait toujours du bien. Allez, histoire de lui donner l'impulsion. Impeccable, on est sorti du bourbier. Attention de ne pas se mettre dans le décor. Jusqu'ici, on y est arrivé. Ouais, là c'est risqué, c'est dangereux. On va bien serrer le talus. En tout cas, on va essayer. Bon, on commence à prendre en main la bête. Mais c'est loin d'être le 4x4 le plus. Le meilleur franchisseur que j'ai utilisé. Hein. Ça, je vous dis tout de suite. Alors, on va simplement mettre un coup de stop. Alors, donc on est parti d'ici, on suit cette route. Hein, de toute façon, vous pouvez constater, il n'y en a pas 50. Donc on est plutôt pas mal, on a quasiment traversé la map de part en part. Après, donc il y a le retour comme ça, etc. On passe dans l'eau. Après, il y a tout un passage là, il y a encore de quoi faire. Hein. Je vous dis tout de suite, il y a encore de quoi faire. Là, il y a des sacrés passages dans ce gué également. Je sais pas combien de vidéos on en est, on va tenter, si c'est pas trop long, d'aller jusqu'en bas à la partie en eau. Normalement on arrive là sur le côté. Putain, j'ai passé la deuxième. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ça a l'air de rouler. On fait le virage, on tape la descente. Et on va tenter de s'arrêter en bas. Ça sera déjà pas mal pour cette petite vidéo là. Avec ce hummer. Et pourquoi pas visiter le reste de la map. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous intéresse. Avec éventuellement un autre 4x4. Oula, oula. Ça pourrait le faire. Parce que celui-ci, sincèrement, c'est pas le véhicule de l'année. C'est pas le franchisseur de l'année. Pourquoi pas revenir justement tiens, avec le Hummer H1. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai également récupéré une Jeep là. Oh putain. Oh putain. Une Jeep 10-1942. 1948, putain, un petit bout d'arme cette fille là, c'est dommage pas possible. Oh, il y a carrément, regardez ça. Ah putain, c'est moi qui vais y aller. Non, oh putain, non, c'est pas possible. Je dis regardez ça et c'est moi qui mets dans le décor. Oh la pièce, c'est pas possible. J'ai béné le 4x4. Bon bah écoutez, au moins c'est clair. Le 4x4 est béné, on va pas faire grand chose de plus. Et puis de toute façon, sur le principe. Ah bah il démarre quand même. Démarre quand même. Est-ce qu'il se remettrait sur ses roues ou quoi? On va pas voir se remettre sur ses roues de toute façon. Eh ben j'ai béné le Hummer. Je disais attention, c'était la merde depuis un certain temps. Eh ben écoutez, allez, petite pix pour vous amuser, ça sera plutôt pas mal. Bon, eh ben comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'on revient sur cette map-là? Est-ce qu'on fait la suite? Est-ce qu'on revient avec un autre 4x4? Pourquoi pas? Je vous ai proposé le Hummer H1. C'est vous qui me dites. N'hésitez pas d'habitude à mettre le petit pouce bleu. Ça fait plaisir. C'est toujours sympathique. L'autre, il est là-bas. Il sait pas trop ce qu'il doit faire au volant de son 4x4. N'hésitez pas à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye!